née en Éthiopie, d'une famille elle-même installée de longue date en Éthiopie. Je pense que les premiers membres de la famille sont arrivés dans les années 1880-1890. Maman est née dans ce pays. Moi-même, j'y ai fait toutes mes études. Je les ai poursuivies en France. Je suis revenu de 1974-1975 et je n'ai quitté ce pays qu'en juin 1975. Disons qu'à part une visite très brève il y a 20 ans, c'est mon premier retour en Éthiopie. Nous avons été témoins dans la famille de plus de 100 ans, l'histoire d'Éthiopie. Une partie de cette histoire me vient des témoignages que j'ai recueillis. Une partie, je l'ai vécue moi-même. Si on parle des membres de la famille, il y en a un qui est quand même très connu déjà, qui est Sarkis Terzian, qui a en particulier réussi à négocier avec la France avant la bataille d'Adwa, l'approvisionnement d'une très grande quantité d'armement. C'était l'époque où la France changeait de modèle de fusil, passait du fusil gras au Lebel, et il a donc pu négocier avec la France quelques centaines de milliers de fusils gras. À cette époque, la France n'avait aucune objection à vendre ses fusils, mais se refusait à les acheminer. Donc il a trouvé un moyen, via la Belgique, d'acheminer cet armement et les munitions en Éthiopie, et cela à la veille de la bataille d'Adwa. Du côté de mon grand-père, et donc de Terzian était le beau-frère de mon grand-père. Mon grand-père, quant à lui, était un résistant dans l'Empire ottoman, avait été condamné à mort par contumace, avait été prévenu et avait pu quitter l'Empire ottoman pour l'Égypte. Il y a séjourné pendant à peu près 6 mois, et là il a appris qu'en Éthiopie, un empereur chrétien bâtissait des cathédrales et cherchait des artistes pour faire les fresques. C'est à ce titre qu'il est venu en Éthiopie. Puis, d'une chose à l'autre, il s'est retrouvé chef du contre-espionnage. Ménélique devait avoir le sens aigu, disant que un résistant pouvait faire un bon chef du contre-espionnage parce qu'il connaissait la musique. Cette affaire dure jusqu'au moment où la succession de Ménélique est ouverte. La succession doit être assurée par les Djihazou. Il se trouve que grand-père découvre les négociations en cours entre les Djihazou par l'intermédiaire d'une certaine Madame Hanafi. Madame Hanafi est la fille ou la petite-fille de Chamil. Chamil a été le dirigeant de la révolte du Daghestan contre la Russie, avant de se rallier à la Russie, mais c'était cette tendance qui était de chercher à convertir l'Éthiopie à l'islam d'une part, à la faire entrer dans la guerre aux côtés de l'Allemagne et de la Turquie lors de la Première Guerre mondiale, et de menacer par le sud le canal de Suez. À ça, principalement la France, la Grande-Bretagne, et dans une moindre mesure l'Italie, cherchent à trouver une parade. La France de longue date avait comme choix le Ras Makonnen. Mais le Ras Makonnen était décédé à cette époque. Donc le choix se porte sur son fils, de Jasmin Chitafari. On dit que grand-père aurait fait modifier ou confectionner une photo de l'Ijiasu en tenue musulmane pour convaincre l'église éthiopienne de le sanctionner par une excommunication et de mobiliser la noblesse éthiopienne pour que ce soit Dejazma Chitafari, plus tard Rastafari, plus tard Haile Selassie, qui assume la régence sous l'empire de Zaouditou, fille de Ménélik. Certains sont venus parce qu'ils avaient une recherche personnelle. C'est le cas de mon frère. Mon frère est un aventurier. Il a différents projets de la culture de perles
D'une part, c'est très vite un contrebandier à grande échelle, puisque lui-même le confesse. Son but, c'est d'acheminer du hashish prélevé en Inde jusqu'en Égypte, en passant par l'Éthiopie. Activité, on a connu des activités plus nobles. Voilà un type de personnage. Il y a d'autres personnages qui viennent à l'occasion du couronnement de l'empereur. C'est 1930, donc il prend effectivement le titre d'empereur. C'est un événement à l'époque médiatique. Nombre d'écrivains, peut-être à l'époque en tant que journalistes, se rendent en Éthiopie, au nombre desquels il y a Joseph Kessel, il y a Romain Gary, il y a Jean Desbre. Ces gens-là viennent essentiellement, soit envoyés par des journaux français, soit à leur propre compte et monnayant leur reportage auprès de la presse française. Ça ne les empêche pas de s'intéresser à d'autres sujets. En particulier, moi, les témoignages que j'ai de ma mère, qui les a connus tous, c'est que Romain Gary, en particulier, a évoqué avec elle l'existence des Falachas. Maman, qui a grandi au palais, était ignorante de l'existence des Falachas. Elle le découvre à travers ses conversations avec Romain Gary. Il faut savoir que le grand-père de Michel avait été un novateur. Il avait créé un hôtel important à Addis, et une bonne partie des délégations qui s'étaient rendues à Addis pour le couronnement logeaient dans son hôtel. Il avait par ailleurs créé des cinémas, il avait importé la première voiture, et au dire même de Monfred, qu'aucun d'entre nous ne porte dans son cœur, aurait été un peu le chef de cérémonie du couronnement, au moins pour, à mon avis, plutôt sur l'accueil des étrangers, des délégations étrangères. Voilà. Quant à Monfred, dans la famille, on a un souvenir extrêmement négatif de cet individu. On lui reconnaît des qualités littéraires indéniables, mais en tant que comme on lui reproche à la fois la traite, la contrebande et aussi la collaboration avec l'envahisseur fasciste. L'arrière-grand-mère de Michel, donc l'épouse de mon grand-père, était au palais directrice de l'atelier des broderies. Et Dieu sait si la broderie à la cour d'Éthiopie avait de l'importance. Allez voir un peu les vêtements qui sont même visibles au musée ethnologique, des broderies et également des tapis. Elle était présente, c'est elle qui a organisé l'accueil du duc des Abruzzes quand il s'est rendu en Éthiopie, avec un enjeu pour l'Éthiopie qui était de s'assurer de la non-agression de l'Italie. Il y avait tout un enjeu. Bon, le séjour s'est déroulé très bien, et Zaouditou, qui était l'impératrice, a décerné à ma grand-mère une décoration extrêmement rare que je pourrais vous montrer, qui n'a pas été rééditée pour avoir organisé l'accueil. Après, la diplomatie a suivi son cours, et on sait que le duce a pris des décisions funestes malgré tous ses efforts. On en connaît la suite. Que ce soit Kessel ou Jean Desme, ils ont rapporté de la matière qui a nourri des romans. À côté de ça, je vous ai dit l'intérêt qu'il y avait pour les Falachas, chose qui a certainement cheminé. L'existence de juifs éthiopiens n'était pas une chose très connue. On sait comment ça a mûri, comment ça a mené aujourd'hui quelques centaines de milliers ou 150 000 éthiopiens d'origine à être en Israël au titre de l'opération de rapatriement. Déjà, maman était la filleule de Wesoro Sehin. Wesoro Sehin est la mère de l'impératrice Manon. Par la suite, l'impératrice Manon a été la marraine de ma sœur. Maman était, comme ma grand-mère était à la tête des ateliers qui se trouvaient dans le palais, maman a grandi au sein du palais.
ses camarades de jeu, par l'âge, c'était le prince héritier à Svavesen, un peu plus âgé qu'il y avait la princesse Tananiok. Voilà, tout ce monde-là a grandi ensemble. Et lors de l'enterrement de ma grand-mère en 1954, le prince héritier pleurait Mama Araxi, Mama Araxi. Et le premier cinéma, par exemple, l'introduction vraiment de la culture un peu moderne, comment ça s'est passé, le premier cinéma à Addis Abeba en Éthiopie? C'est le grand-père de Michel, Georges Glaise, qui l'a introduit. De même qu'il a introduit la voiture, qu'il a introduit l'eau chaude dans les hôtels. C'était une période où il y avait une transplantation des techniques qui étaient déjà installées en Europe, mais qui a arrivé pour la première fois en Éthiopie, et probablement dans l'Afrique de l'Est. Fait un bref séjour, c'est un séjour de retour sur des amours anciennes. C'est un voyage d'amour. L'amour peut avoir été blessé, ça a été le cas, mais ça reste l'amour. Merci.